Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. C'est toujours la bonne blague. Ça va très bien, et vous? Oui, très très bien. C'est un plaisir de revenir ici à Coxyde. C'est toujours vraiment un grand plaisir. Ah ouais, je suis fan. C'est ici que j'ai fait mes premiers châteaux de sable, c'est ici que j'ai fait mes premières courses de cuistac, c'est ici que j'ai mangé mes premières crevettes. Et je viens à la mer depuis que je suis né en fait. J'essaie de venir le plus souvent possible. Tout le monde pouvait regarder les compétitions de tennis qui se déroulaient ici en été. Il y a Kim Clijsters qui est venue ici, il y a Justine Hannin. Elles ont toutes gagné le tournoi ici de Coxyde. C'était un tournoi qui était assez prisé par les futures vedettes montantes du tennis mondial. Moi, je me suis jamais ennuyé à Coxyde. Ça, c'est impossible de s'ennuyer. Il y a plein de choses à faire. Quand on était petit, il y avait plein d'activités pour les enfants. Je crois qu'il y en a toujours maintenant. Mais il y avait notamment ce fameux pavillon japonais. On pouvait faire des courses de cuistax. Il y a le tennis ici. Il y avait moyen d'aller à l'abbaye des Dunes visiter. Enfin, il y a impossible de s'ennuyer ici. Puis moi, je venais toujours avec mes cousins, mes sœurs. Et c'était toujours la grande fête ici. Petit le soir, je rêvais d'aventure. J'attendais qu'il fasse noir pour sortir et faire le mur. Les autres assis m'éprendre ont cru que je fuyais la maison, sans ne jamais vouloir comprendre que je courais vers l'horizon. Mon père sur le qui-vive me rattrapait au coin de la rue, où vivait cet homme qui, ivre de sa vie, était déçu. J'échangerais ma vie à moi, confortable et sans lacune, contre un bateau gonflable ou une barque de fortune. Ici, on a la Marée, ça se trouve sur la place de l'Horloge de Coxyde, qui est très connue. Ici, il y a les meilleures crevettes de la côte belge. Je pense que je n'exagère pas en disant ça. C'est vraiment les meilleures crevettes. Géraldine est d'accord avec vous. Tout à fait. Ça va ? Pour mon petit repas de midi. Hein. Ah oui, c'est pistolet, évidemment. J'ai tenté la fuite par les chemins de traverse, resté bloqué au péage parce qu'il me manquait quelques pièces. Je me suis fabriqué des ailes pour voler sous les radars, mais ma technique était cramée par un grec nommé Icare. Après mûre réflexion, tout ce qu'il me reste à faire, c'est m'habituer aux poissons et puis prendre la mer. Avec un peu de chance, j'arriverai à bon port avant que mon bateau prenne l'eau. Tout ce que j'ai pu retenir de ces trois jours, c'est waouh. Voilà, j'ai rencontré des personnes fantastiques, j'ai rencontré des endroits fantastiques et j'ai rencontré surtout un personnage dont je suis tombée fortement amoureuse, c'est Monsieur Villain, Monsieur Walter Villain, où je suis rentrée dans cette maison, le temps s'est arrêté, le temps, vraiment une fracture intemporelle. Et on est parti dans cet univers, dans ce monde de magie, dans cette magie qu'est la peinture. Et voilà, je n'arrivais pas à quitter ce monsieur, je n'arrivais pas à partir. C'était vraiment très très dur. C'était vraiment la plus belle rencontre que j'ai eue. Et puis des rencontres intéressantes ici au centre culturel, au musée Ten Duin, etc. Mais c'était vraiment très 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 bien.